Coucou tout le monde, c'est Guillaume et Mathieu de Magidor Collectors et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Doll Hunting du mois d'avril. Spécial Ever After High et Monster High. Donc nous sommes rendus dans le Gard, au centre commercial des Angles, chez Jouet Club, et il y avait pas mal de promotions assez intéressantes. Donc il y avait des Ever After High à moins 50%, donc du moins Raven Basic. Ensuite il y avait le pack Ashlyn et Hunter, à moins 50% également. Ensuite, à moins 30%, il y avait les balles de la destinée et il y avait Blondilocks. Ensuite, au niveau des Monstars, il y avait aussi des promotions avec Gouliop la géante qui était à moins 20%. Ensuite, il y avait Scarascream de la collection Inspiration Fusion. Il y avait Aviatrotter, par contre, il n'y avait pas de prix. Il y avait The Hunted avec Yomi Hunterly à moins 20%. Donc ça faisait 25 euros. Il y avait River Styx. Et dans les budgets, il y avait Spectra. Ensuite, il y avait des Monster High basiques reboîtés avec Draculaura et Frankie. Après, il y avait des Bouillorques avec Kachi. Il y avait Mousseless. Et juste à côté, il y avait des budgets Bouillorque avec Claudine, Draculaura, à moins 20%. Il n'y avait pas Operetta. En dessous, il y avait les Ghouls Fer avec Scara, à moins 20%. Et les Ghouls en vacances avec Gina Fire. À côté, il y avait des Frics du Chic avec Twila, à 24 euros. Ainsi que Claudine, qui est juste magnifique. Nous nous sommes ensuite rendus au Maxi Toys, toujours au centre commercial des Angles. Au niveau des Ever After High, il y avait la collection budget à 11,99€ avec les trois modèles Raven, Applewhite et Ashlyn. Il y avait également Raven et Briard. Donc la collection des basiques. Au niveau des Monster High, il y avait le pack Thomas et Abby à 24,96€. Il y avait également les Freaky Fusion. Il y avait des Haunted avec Kiyomi, Claudine, Twila, Spectra, ainsi que Draculaura. Il y avait également les poupées issues de la Grande Barrière des Frayeurs, avec Toralé, Laguna. Il y avait Jane Bullittle Basic à 24,96€. Il restait également Oni de la collection Fright Camera Action. Il y avait également Oni Fric du Chic, ainsi que Frankenstein, à 29,99€. À 27,99€, il y avait quelques modèles de la collection Bouillorque Bouillorque. Il y avait à 29,99€ les poupées de la collection Échange Monstrueux, donc ici Marisol Coxy, Draculaura, Laguna et Lorna Magnesi. À 39,99€, il y avait toujours des Bouillorques avec le pack Juice et Cléo de Nile. Il y avait les Goose Alive avec Claudine, Spectra, et Frankie. Il restait également deux modèles Scaris à 19,96€ avec Frankie et Skelita. À 29,99€, il y avait Easy, Batsy et Trollson. Il restait également une Claudine basique qui n'avait pas de prix. Ensuite, nous sommes rendus au géant casino du centre commercial Cap Sud à Avignon. Il y avait donc les Frics du Chic avec Oni Swamp à 19,90€. À 20,45€, il y avait les Grandes Barrières de la Frayeur avec Frankie, Toralé et enfin Laguna.
Il y avait les monstres classiques avec Draculaura à 19,80€, ce qui n'est pas cher. Il y avait Claudine également et Frankie. Juste à côté, il y avait The Hunted avec Twila, Draculaura, ainsi que Claudine, mais il n'y avait pas le prix. Il y avait des Monster Exchange à 18,04€ avec Laguna, Marisol, Lorna. À côté, il y avait des Budgets avec Frankie, Claudine et Draculaura. Il manquait simplement Gigi et il n'y avait pas le prix. Il y avait le pack Freaky Fusions, Frankie. Et il y avait une Ever After Ride à 16,90€, donc Raven Queen. Ensuite, nous nous sommes rendus à Stockomanie, qui est un magasin de déstockage de grandes marques, toujours à Avignon, où il y avait premièrement les Ever After Ride Picnic avec Blondie Locke et Raven au prix de 7,99€. Il y avait Blondie Locke et Cupid de la collection basique à 11,99€. Il y avait également sur le côté plusieurs playsets, donc d'Ever After High et de Monster High, au prix de 11,99€. Et en ce qui concerne les Monster High, il y avait quelques Haunted avec Kiyomi et Porter au prix de 14,99€. Ensuite, nous sommes rendus au Jouet Club de Mistral 7, toujours à Avignon. Il y avait également pas mal de promotions à celui-ci. Alors, il y avait les Monster Exchange avec Lorna McNessy à -20%. Il y avait Marisol Coxy. Il y avait les Ghouls en sport avec Spectra seulement à 22,56€. Il y avait les Blue York avec Operetta, que l'on a vu que ici. Claudine et Draculaura. Juste à côté, il y avait les Hunted avec Claudine, Draculaura, Twila. Ensuite, il y avait River Styx, donc de la collection basique des Hunted, à 25,04€. Et il y avait Vandala Doubloons, donc que l'on a vu que ici, qui est super joli. Ensuite, il y avait des Monster High classiques avec Claudine, Frankie et Cléo, que l'on a vu que ici également, et Draculaura. Juste à côté, il y avait les Goulfer avec Elisabeth, donc à -20%, comme à l'autre jouet club. Ensuite, il y avait des Budgets avec Draculaura, la boutique de Frankie, ou son atelier, comme vous voulez. Il y avait Gouliop, la géante, à -20%. Il y avait le playset avec Rochelle, du fric du chic. Et il y avait le pack Gil et Laguna Roller. Il y avait des frics du chic avec Frankie, Oni et Gina Fire. À -30%, il y avait les Blue York basiques avec Luna Mosthews, Mustedes et LED. Il y avait ensuite la barrière de corail avec Kala, Posée à Riff et les sœurs Serpentine au prix de 31,30€. Il y avait les Ghouls en vacances, donc ou retour à School Shores, comme vous voulez, avec Spectra, qui est sublime. Gina Fire, qui l'est également. Et Mjolody. Ensuite, il y avait Batsy Claro, donc de la collection numéro 2 des Monster Exchange. Et Trollson, il n'y avait pas Easy. Ensuite, au niveau des After, il y avait Raven Basic, il y avait les balles de destinée avec Blondie et Raven, toujours en promotion, et le pack Hunter et Ashlyn à -50%. Et pour finir la journée, nous nous sommes rendus au Toys R Us du centre commercial d'Avignon Nord. Au niveau des Ever After High, il y avait les 4 modèles de la collection Way to Wonderland,
Il y avait également à 9€ une Raven Queen basique et une Madeline Hatter. Il y avait également Farah, toujours à 9€. À 19,99€, il y avait les nouvelles poupées du dernier film Netflix, Dragon Games. Et à 14,99€, il y avait la collection Picnic avec Raven Queen. Et à 9,99€, il y avait les trois modèles de la collection Budget de Netflix avec Apple White, Ashlyn et Raven. Comme d'habitude à Toys R Us, il y avait énormément de Monster High. Donc voici un aperçu de tout ce qu'il y avait. Donc à 9€, quelques Flocky Fusion. Le pack Gros Tout Mou et Goulia. Juice Goes Alive à 15€. Ensuite le pack Gil et Juice. À 10€, il y avait Webarella. À 29,99€, il y avait celle-là que nous avons déjà vue dans tous les autres magasins. Les Goules en vacances. Les échanges monstrueux. La barrière des grandes frayeurs. Il y avait aussi les Haunted. Donc les budgets étaient basiques. Il y avait aussi Iris Klops à 29,99€. Ainsi que Bouyork Bouyork Nefera Denil. Il y avait aussi d'autres Bouyork à 39,99€. Donc là c'est vraiment très cher comparé aux autres magasins où nous les avons vus. Il y a parfois 10€ de différence. Il y avait également les frics du chic avec Oni, Frankie, et il y avait les Monster High classiques, Draculaura, Clotine. Il y avait aussi les Ghouls Fair à 19,99€, donc Scara et Thomas. Il y avait la géante à 39,99€. Il y avait également le pack de 3 poupées à 39,99€ avec Elisabeth, Cathy Noire et Vipérine. Et une Scara à 9,99€ de la collection I Love Fashion ainsi que l'atelier de Frankie. Donc pour conclure ce Doll Hunting, nous vous conseillons de vous rendre dans vos jouets clubs parce que nous personnellement il y avait pas mal de promotions, donc ça allait entre moins 20 et moins 50%, donc je pense qu'ils doivent essayer de liquider certains stocks. Et du coup, les prix sont assez avantageux. Donc, foncez-y si vous en avez un par chez vous. Et en ce qui concerne les grandes surfaces, on vous conseille vraiment de vous rendre à un Géant Casino si vous en avez un près de chez vous. Parce que les prix, ils sont vraiment très intéressants et ils ont beaucoup de choix. Et contrairement à Carrefour, Leclerc, Auchan et ce genre de magasins, c'est vraiment les moins chers. Donc, foncez à Géant Casino. Merci tout le monde d'avoir suivi ce Doll Hunting d'avril. On se retrouve le mois prochain pour le Doll Hunting de mai. Et abonnez-vous, likez la vidéo, et on se retrouve très bientôt sur Maggie Dolls Collector.